Patrick, là où il y a une victoire sur Issy-Jacques avec un gros match des Avants, j'imagine que tu dois être satisfait. Satisfait, oui, parce qu'ils sont restés avec consigne de la première à la quatrième. Très peu de ballons perdus, très peu de pénalités contre nous, et ça c'est le plus. C'est vraiment sur les consignes qu'on leur avait donné. Pas de faute, on a joué à 15, je crois que c'est le premier match de la saison où on joue à 15. Et là c'est autant de mal que derrière. Vous êtes sur une certaine dynamique après une victoire sur Castillonnès chez eux et aujourd'hui une victoire sur le premier de la poule. On a l'impression que l'équipe monte en puissance. Sans prétention d'essayer d'envoyer quelques messages quand même aux adversaires. À Pau-du-Casse, on ne perdra pas à Pau-du-Casse de la saison. Et on va essayer d'être vaincu à l'extérieur, hormis la défaite à Issy-Jacques. J'espère qu'on finira la saison vaincu. Bon, dans quelques jours, encore une grosse équipe d'Aglan. Bon, encore un match de phase finale. On va aller chez le premier, ex-aequo avec nous, d'Aglan. Qui est premier ex-aequo avec nous et second en réserve. Je pense que quand on aura passé d'Aglan, on sera à peu près l'année au championnat. Ici, cela avait été un match difficile. Si on n'avait pas 80 minutes dans les jambes, on avait 40 minutes, on avait fait 40 premières minutes intéressantes, et après on était sortis du match. Et c'était revenu. Mais sinon, on n'y avait plus d'inquiétude. Mais pour moi, c'est la plus belle équipe. En continuant bien comme ça, on peut espérer une qualification. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on a assuré le maintien. Bon, mais j'imagine que tu as d'autres ambitions. Oui, notre ambition. Mathématiquement, on est maintenu. C'est tout. On peut espérer, mais on est mathématiquement, on n'est toujours pas dans les six premiers.